du méchant, donc de Wan. Bonsoir Karim, bonsoir Simon, et qui serait guéri de son cancer en face du pancréas, je crois, en phase terminale et tout. Enfin, il était très avancé. Je trouve ça suspect. Tant mieux si c'est le cas, mais je trouve ça un petit peu ouais, optimiste, mais tant mieux. Bon, bref. Du coup, voilà, deux covers, la première Jonathan Young et la deuxième évidemment Eric Calderon, Hirok. Hein, le meilleur, on va pas se. Je crois que c'est le pancréas, je sais plus, je suis pas certain. J'ai revu ça tout à l'heure rapidement et je trouve ça bizarre qu'il s'en soit sorti. Vu ce qu'avait filtré comme information, bon après c'est information d'internet, hein, un truc de Depardieu, c'était bien fake, mais donc voilà, ici apparemment ça va. Enfin, on va pas s'apesantir parce que ça n'a aucun rapport le jeu ce soir. Hein. Red Number, c'est un jeu qui pèse 16 Go, celui de Unreal Engine qui coûte 4 euros, enfin 5 euros normalement et maintenant 4, ce qui est en solde bien sûr. 16 Go, c'est énorme. Tu ne comprends pas, les mecs, ils ont déjà les bizarrement fait dans les fichiers. Il y a un fichier projet 64 bits, hein, il y a un projet 64 bits, projet 32 bits souvent. Et là, il y a un projet 64 bits russe, projet 64 bits anglais. Je trouve ça bizarre. C'est l'équipe russe qui avait fait une grosse merde, qui s'appelait Remain, qui était un jeu d'horreur aussi que j'avais testé, qui était une grosse bouse de ouf. Et je crois que je l'avais fait avec trois autres jeux, enfin c'était un daube quoi, truc de la daubasse. Et ils font ça, alors c'est un TPS action. Mais bon, je sais pas, tout ce que je vais le baisser parce que du coup, si la musique du menu est aussi forte, donc j'ai mis du gain. Est-ce que je fais un. Bon, on va faire clavier. Alors, new game. C'est beau. Ah, c'est en russe. L'humanité a fait son premier vol sur Mars en 2033. Il y a un bug sonore. Comme c'était bien la surprise, il y avait plein de ressources sur Mars. Surprisingly. Genre les mecs qui sont allés, ils savaient pas ce qu'il y avait dessus quoi. Oh, il y avait aussi des monstres. À cause de la crise énergétique, l'humanité a immédiatement. Cette unie a établi la première colonie sur Mars pour extraire les ressources, hein, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Bon, ils ont pas de sous, mais ok, on fait. C'est pixel art, ouais. Ah, des Photoshop art. Nouvelle ère pour l'humanité a commencé. La Russie. Peut-être qu'il va être bien. 15 avril 2091. Джон, не спеши. Там всего пару минут поработать. И все. T'inquiète pas. Я понимаю, но хотелось бы. C'est un petit peu fort et c'est enregistré dans votre salle de bain, messieurs. Должны были сменить еще 2 дня. Voilà, c'est un peu plus audible. Je sais pas ce qu'il a compté, mais bref. Джон, ты на Джон, Марсе. Ты en Mars, Bulletin. Ты ведь не зря отправился сюда. T'es pas venu pour rien. Dès que tu étais, je sais pas, Magnus, je ne suis pas étudié à l'académie pour faire le bordel avec l'électronique, je sais pas quoi. Graduate, j'arrive pas à trouver le mot. Quoi. Je sais ce que ça veut dire, mais je trouve plus le mot. Red faction, ah, je sais pas. C'est juste un bug, un glitch. Voilà. Diplômé, merci. Oh putain. Oh merci. Fait du bien ça quand tu as le mot là que tu cherches diplômé putain. Toc toc toc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah c'était des coups de feu en fait. Oh non John, tiens bon. Oh non John, tiens bon. Oh là là, 2 semaines plus tard, c'est la teuf. Oh putain. OMG, ah, je peux pas bouger. Si, mais pas la souris. Si, il y a la souris, je peux. Oh mon dieu, ça sent le Unreal, ça sent l'assets de base. Vaguement modifié rapidos. Ah putain, est-ce que c'est possible de coller la caméra encore plus sur le mec? Bon, tout ça, c'est de l'asset de base. Hein. Pour le perso, voilà. Ça, le Unreal, ça permet à peu près à n'importe qui de faire ça. Plomé. LOL! MDR, il connaît. Bon, là, c'est. J'ai mis en moyen, hein, donc c'est un peu moche, mais vous savez ce qui se passe avec le Unreal. Ça a tendance à laguer. On va peut-être essayer de l'améliorer quand même, parce que. Il est quand même. Il n'est guère Jojo. Petite texture. Allez, des petits effets en high. Hop, hop, voilà. 7 apply. Quête. Ouais, ça lagouze un peu, mais c'est pas beaucoup plus joli. À mon yeux, il y a du sang. Peut-être qu'il va. Ah oui, d'accord. Si je me dépêche pas de passer. Qu'est-ce qu'il passe ici? On va trouver quelque chose. Bon, c'est du Dead Space cheap. Avec une tenue de batracien, voilà, ça fait penser à les grenouilles là, du Brésil. Tu sais, qui sont empoisonnées. Enfin, pas. Alors attention, venimeuses, c'est quand tu les touches
Et non, vénéneuse, c'est quand tu les touches, ça t'empoisonne, et venimeuse, quand elles te mordent, quand tu injectes le poison. Je crois que c'est ça la différence. Donc là, ce serait vénéneuse. Venimeuse, je sais pas. Il faut que j'échappe de la clinique. Ça, c'est quoi? Elle, il, caméra. Caméra qui soigne? Pourquoi caméra? Mais en quoi c'est une caméra? Mais pourquoi caméra? Il n'y a pas de caméra? Ça veut dire autre chose en russe, caméra? Et ça serait pas traduit? C'est possible, c'est possible. Là, d'accord, encore. Bah, c'est le. Non, c'est là où j'ai commencé. Non, c'est juste que c'est des pièces copier-coller, d'accord. Impossible. Possible. Attends, les portes, elles restent pas ouvertes longtemps. Attends, j'ai pas vu au niveau du son. Parce que du coup, maintenant que j'augmente le son du jeu. Ah! C'est chiant parce qu'il te laisse pas le temps de passer. Ah! Boris! C'est toi, Boris. L'effet de distorsion du verre est quand même un peu exagéré, quoi. Bon, je sais pas, lui il est mort, mais on s'en bat les couilles. Il est pas là pour niaiser. Mais. Il y a un truc là qui fait flip flap floop du scrap metal avec A, c'est avec F, mais j'ai marqué Q. Bon, je vais avoir des capacités, on le voit en bas. Et ce que vous voyez pas, hop, on va faire voir les petits tours, on va faire ça. Hein. Hop, voilà, papa, il y a le sang parce qu'on m'y invite fortement, n'est-ce pas? T'avais renversé. Bon, c'est un peu vide, hein, c'est un peu trop grand. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Où est tout le monde? Cette phrase, mais si. Générateur de dialogue. Bon, je vais pas m'embêter. Ah, ça y est, je suis coincé. Putain. Je suis vraiment coincé parce que je ne peux pas déclencher l'ouverture de la porte puisque elle ne s'ouvre pas quand je suis collé et elle se ferme trop vite pour que j'aie eu le temps de faire demi-tour. Voilà. Il est 21h09. Ça fait. Allez, j'ai commencé le jeu 5 minutes. Premier bug découvert en 5 minutes sans chercher de bug. Voilà, merci la Russie. Alors, on va recommencer. Bonne soirée, au revoir, merci. Drop the mic. Mais alors, mais écoutez, écoutez la Russie, on vous aime bien. Non, mais arrêtez. Ouais, mais du coup, vous avez le. Voilà, on va mettre le chat ici. Après, vous ça perturbe, c'est pas potent, trop pipa. Pi pi pi. C'était du russe, bien sûr. Ça, tu vois, en 5 minutes, je teste le jeu, je trouve un bug qui, à mon avis, doit arriver plusieurs fois dans le jeu. Là, le coup des portes, on est obligé de rester coincé d'autres fois. Ça me paraît plausible que ça arrive à nouveau. Et tu gères. T'as juste à gérer un petit peu la période d'ouverture des portes, tu les laisses ouvertes ou plus longtemps. Où tu mets la zone de détection des portes, bah, collée à la porte aussi, hein, comme ça la porte ne se ferme pas quand tu es dans l'ouverture de la porte, et le problème est réglé. Ça prend 5 minutes. Tu édites ça sur une seule porte, hein, parce que c'est des comment, comme Willon nous avait appelé, c'est des apprises, des préfabs, des préfabriqués qui sont copiés-collés sur toutes les portes, des mécanismes, voilà. Ça prend rien comme temps. Et oui, mais en plus ils ont fait les, ils ont, c'est ouf, on dirait que c'est fait exprès. Hein. Ils ont mis un objet qui te bloque à l'entrée d'une pièce et ils ont vu que leur porte s'ouvrait vite et se fermait vite. On dirait qu'ils l'ont mis exprès. Ils auraient pu la mettre un peu plus loin dans la pièce, tu vois. Et non. Si. Allez, skip. Bon, bah, n'est-ce pas chéri, hein. J'ai entendu boucac. Boucaquer, je ne sais pas. Jaune! Tu attends? Les bons mèmes, les bonnes refs. Il y a 10 ans, hein, c'est l'équivalent du temps qui passe sur Internet quand tu fais des vieilles refs comme ça. Je m'appelle Jaune et j'attends. Ah, les mecs, ils savent même pas. On dirait qu'ils savent pas parler, faire une discussion normale dans la vraie vie. Hein? Me moque pas du russe, je suis persuadé que ça se prononce mieux que ça en vrai. On aurait dit qu'il était en train de se brosser les dents. Hop là.
Allez, on y va. Bon, on va essayer de pas refaire là. Il y a un truc. Oh, what happened? What am I to find? Du scrap metal, ok. Je vais. Ah oui, on peut crafter des trucs. Mais j'ai pas l'air d'y avoir accès. Voilà, j'ai une position de sneak. Je suis en train de surfer, quoi. Kawabonga! Le petit surf qui va bien. Bon, je ne sais pas faire une musique de surf. Alors, on va directement suivre le scénar. Dubichu, Dubicha, lève la queue et puis s'en va. Hop. Je ne sais pas ce que je raconte. Non, on rentre pas dans celle-ci. Pas deux fois, MDR. Avant de rentrer, voilà, je vais rester là. Je vérifie si je peux en sortir. Mais bon, il n'y a rien d'intéressant, donc on va continuer. Voilà, c'est fermé. J'ose pas rentrer dans la pièce, mais c'est pas que j'ai peur. J'ai peur du bug. C'est tout con, hein. Ils ont arrêté leur zone de détection, ouais. Trop court, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je peux pas courir pour l'instant, ça c'est curieux. Je peux pas sauter non plus. Ouais, mais il y a une sorte de truc rouge laser là. Ah, je peux pas y aller. Regarde-le l'autre. Mais c'est une nana en plus. C'est une nana alien qui fait Draw Me Like One of Your French Girl, quoi. Dessine-moi comme une de tes maudites françaises. Non. Il y a le petit Sika Blayat dans le chat. Ah, ça fait flic flac, je me demandais. Bonjour. Le cliché du mec qui essaie de casser une vitre, mais qui fait ça bizarrement. Bonjour. Ah, mais c'est l'air d'être un méchant maudit hanté. Il est maudit, il est possédé. Ah ouais, ça tourne, mais c'est trop énervé. Je veux dire, la sensi est complètement folle. Enfin, c'est l'Unreal de base, quoi, qui est pas modifié, ça. Alors, très bien. Mais je sais pas comment je... Ah ouais, mais non, faut me traduire. Ah ouais, non, vous étouffez, les mecs. Si vous me traduisez pas, ça va être tendu. Oh! Eh, mais non, ça... Dobichu, quoi. Je cherche une touche qui ferait quelque chose, mais... Attends, sans déconner, j'ai pas un menu, hein. Top donc, ah c'est mon objectif avec Q, ok. Putain, mais c'est pas traduit, quoi, les copains. Et je suis en anglais parce qu'il y a des bouts d'anglais, donc ouais. Alors attends, putain, puis va traduire ça dans Google, quoi. C'est pas possible. Enfin, on dirait que faut un truc cyrillique, quoi, l'alphabet cyrillique. Ben, mais c'est de la... Ah, attends, checkpoint, checkpoint, c'est peut-être checkpoint, c'est ça. Ah oui. What the hell? Et qu'est-ce qu'il a? Use the imprint F. Je ne peux pas lire. Ah, si. Melissa Giacconto. Giaconte. We again found Sam. On a trouvé à nouveau Sam drogué dans la chambre avec ses médicaments. Il a volé de la drogue pour la troisième fois dans le mois. Paul dit qu'il est. C'est un vaccine. S'il remonte. Il va devoir le dire au bureau. Et Sam. Et Sam ira dans les mines. On a changé de mot de passe à nouveau. Maintenant, le code. Il n'y a que moi qui le connaissons. The code knows only me and Paul. Le code ne connaît que moi et Paul. Bon, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Allez, c'est de la base. C'est le petit JPEG. Putain, par contre. Use imprint. Dream to cure all people. Paul Umbertini, main doctor. Je peux lire les gens? J'ai un implant peut-être, imprint. Implant, mais en russe, je sais pas du tout. Son rêve, c'est de soigner des gens. D'accord, très bien. Oui, 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 docteur. Mais je ne sais toujours pas quoi faire. Et ça, c'est inquiétant. Et je n'ai pas d'indice. Je sais pourquoi. Ben, faire. We are number one. Oui, si on a joué à Dead Space, on a voulu faire pareil, mais... Ah, regardez, comme c'est F pour là, je peux y aller. Non, là, ça t'intéresse pas. Lui, il est pas... Est-ce que je vais rester bloqué par la porte? Non! Escape from the clinic. Bah oui, mais le problème, c'est que... Alors, c'est peut-être pas ici, attends. Ah, c'est chaud de pas avoir traduit ça, quoi. Les mecs, vous avez des fichiers texte, vous les traduisez tous. C'est pas possible.
Je suis l'homme grenouille de Patagonie. Ah, mais il y avait un petit passage là, j'avais pas vu tout à l'heure. Ah, bah non, je sais pas, j'ai l'impression que j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Énergie. Ok. Je ne sais pas, je veux bien y mettre toute la bonne volonté, mais je. Et ils sont tous freeze, tu vois. Okay, ils sont tous en petit glaçon. C'est un rôle le vrai body and the little glaçon. Ah, ça fait genre Resident Evil, tu vois, mais. La musique est pas si mal. Sans pas l'avoir entendu, c'est déjà un bon point. Rien que ça suffit pour les jeux caca. 5 euros, bon, bah ça va dépendre du gameplay. Dès qu'il y aura le gameplay, on pourra commencer à juger. Parce que tu vois, pour l'instant, il n'y a pas de gameplay. Mais. Du coup, oui. Quoi que fais-je. Pip, 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 pip. Ah, il n'y a plus d'indication, merde. Ah, si, ça. Ah, oui, il y a un petit passage. C'est très labyrinthique. C'est en 10 millions? En 10 millions? Tiens, je me pose une question. Qui est cet en 10 millions? On est en 2032 quand même, mais il y a toujours des trucs premium coffee à l'ancienne. Je suis très déçu. Est-ce qu'on n'a pas déjà atteint le maximum d'ingénierie pour les distributeurs à café? C'est possible aussi. C'est Magnus. C'est pour attendre ce message. Répondez! On cherche des survivants. Magnus? Il aime bien boire. Alcoolique. C'est moi, John, réponds. John? Je suis en vie. Je suis tellement content. Oh, la joie de. J'ai quitté la clinique, où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe plutôt? Pas le temps d'expliquer. Ça m'énerve, pas le temps d'expliquer. Si, tu prends 5 secondes. Faut que tu sortes. Centre de communication, essaie de contacter la Terre. Peut-être notre dernière chance, ok. Si, oh, en cannelle là. Ramsès, Ramsès! Ok, où est tout le monde? Mais ils sont là, tout le monde. Il ne reste plus personne. Ceux que tu rencontres ne leur fais pas confiance. Mais ils bougent pas, hein. Tous ceux sur Mars sont nos ennemis, t'as besoin d'une arme. Applique tes connaissances, trouve quelque chose et fabrique-toi une arme ou tu es mort. Ne trust personne! Fais confiance à personne! Moins fort, putain. Jouer. Ok Magnus, до связи. Connais tous les poèmes de Pushkin. Так, значит мне нужно оружие. Что ж, пора найти, из чего его создать. Carito again asks me to send him a cup of bottle of whiskey. Ouais, c'est les petits trucs genre d'ambiance, mais. Mais pourquoi? Alors je peux lire plus ou moins leur vie, quoi. Non, lui on peut pas. Faut que je trouve une arme. Ouais, il y a plein de zombies qui vont se mettre en route. Bah écoutez, c'est plutôt original. Ouais, ça marche plus. Get to the communication center. Il est où? Et mon truc d'objectif, il marche plus. C'est moi, il y a une espèce de cycle jour-nuit bizarre, non? Je sais pas. Peut-être pas pouvoir courir. Je suis pas tout à fait très lent, mais enfin, je suis pas tout à fait très rapide non plus. Ok, je sais pas, tout le monde s'est figé sur place. Bah écoutez, pour l'instant, ça va. J'ai pas trop peur. Pip, papip, papon, papip, papon. Tant que j'ai qu'une seule ressource, à la limite, c'est pas trop mal. Comment il était dans cette position-là? C'est quelqu'un. Il s'était accoudé au bar et quelqu'un l'a reposé là après. Ouais, ça donnait des régènes, ok. Ça, j'avais compris. Là, il y a du décor merdique. Les maps sont trop grandes, y'a rien à faire, faites pas des maps aussi grandes. Fais un truc plus renfermé comme un sous-marin si tu veux faire une petite sensation de. Ah bah! Et là, c'est le drame. Pourquoi ce bruit de merde? On dirait des pistolets à bouchons. Attendez, j'ai baissé le son. Pourquoi? Tu vas dans. Mais putain, mais. Tu vas sur un site de son gratuit? Tu tapes laser blast ou fusil laser ou. Tu trouves un truc mieux. La première résultat de la recherche, tu trouves mieux que ça. Et il n'y a pas l'excuse de on est dans l'espace, il n'y a pas de bruit ou je sais pas quoi, parce que là on est dans une station spatiale, donc il y a du bruit, il y a de l'air. Et même le bruit des portes est bon bah est quelconque, mais il marche quoi. Pourquoi?
Mais j'en ai marre, putain! Plus il dit trouve-toi une arme, mais. Il y en a qui bougent quand même. Bah ouais, tu veux que je fasse quoi? Putain, la tristesse! Mais pourquoi pout-pout-pout, bordel? Même des bruits d'armes à feu classiques, ça aurait passé normalement. T'aurais dit, bon, c'est les guns du futur qui font des bruits de. D'AK ou je sais pas quoi, à la limite. Ah, j'ai trouvé une clé. J'ai pas vu. Pas passé. Oh, oh putain! J'ai aucun impact. Ah, je viens juste de voir ma barre de vie en haut à gauche. Je suis épuisé. Oh putain, mais attendez, attendez. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a une save rapide? Où je suis là? Je suis à l'écran du menu. J'ai fait load, ça m'a mis là. Ok, il y a un gros problème. Monsieur, j'ai mis chargé, donc j'avais osé espérer une save auto. Voilà, je suis bloqué à l'écran de menu. Sans rien. C'est cool. Ah si. En fait, faut que je fasse échappe. Ok, continue alors. Ah bah je continue, bah. Attends, je vais essayer de glitcher le truc, mais. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais échappe? Ça me remet ça. Je suis fatigué. J'étais obligé de fermer. On recommence. Je veux trouver une arme. Je veux mon pout à moi. Ah écoutez, j'ai que ça pour jouer. On va en bouffer. On va manger de la Russie toute la soirée. Je m'en fous. Mais non, non. Les bons jeux, c'est terminé. Puis Dragon's Dogma, je suis tellement deg de la mission là. J'ai plus envie d'y jouer. Ah, ça m'a dégoûté. Non, alors, new game. Alors allons-y, on recommence. On reprend nos amis russes. On est reparti. Écoutez, ce est quand même très engageant. Hein, niveau jeu de merde. En plus, ça, c'est vraiment pas un défaut que tu peux dire parce qu'ils ont pas de sous. On est d'accord. Pas une question d'argent. Même à la bouche, tu peux faire mieux que ça. Avec un petit logiciel de modification sonore, tu fais kouiou, et tu modifies et ça passe. Putain, mais. JPP, quoi. Et c'est même pas un truc genre en early access ou quoi, hein, il est vendu là tel quel quoi. Ils sont fous. Je suis autre chose, hein, parce qu'au bout de la troisième fois, je commence à connaître l'histoire de Jean et de Magnus, youpi. Jean! Сразу, как только окончил военную академию. Магнус, я не того окончил академию, чтобы копаться в электронике. Ah bah, bah non, genre, je suis en train de réfléchir si j'avais eu un truc pour save, mais dans le jeu, mais non. C'est pas essayé F5. Что у них на этот раз? Просто какой-то сбой. Может из-за недавней бури? Ah, attendez, ça se trouve, si je suis pas sur le jeu, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh là là, jaune, vigiche. Alors on va faire gaffe, on va faire gaffe. De toute façon, qu'est-ce que j'ai ramassé? L'énergie, la petite seringue. Bon, j'ai mes HP en haut. Ah, j'ai peut-être me soigner du coup. Ah oui, c'est un peu long de se soigner. Oui, je m'étais pas soigné, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait la barre de vie moi. Ça s'arrête pas, donc allez, on y va. Ça fait mal aux yeux, hein? Avec toutes les petites lumières dans tous les sens, là, ça tue, hein? Ah, non, mais voilà, si... ralentissez votre sensibilité. Bon, je ramasse rien, moi je go. Je vais en speedrun. L'orage de mon speedrunner. Ah, c'est là. Pam 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 pam.
Ah, faut que j'aille voir le docteur Imprint. Cannot be open. Ah, d'accord. Dans la tête du doc. Je sais plus du tout où est la tête du doc. Enfin, je reviens en arrière. Merde, j'avais oublié cette histoire. Je savais pas que ça avait une influence, mais j'avais pas été voir l'arrière. Alors, j'allais dire effet de rideau, mais non, regardez, je me téléporte à travers, mais que dans un seul sens. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, j'ai rarement vu aussi branlotin quand même. Allez, je peux pas, bah oui, non, bah non. C'est nul! Pourquoi c'est que ce bug idiot là? T'as pis court un peu, t'as une combinaison du turnuf là, tu mets le turbo! Bon, si ça vous fait trop chier, vous pouvez aller voir Nao, hein, n'hésitez pas, qui est sur Resident Evil 0, qui est pas aussi. Pas pire que celui-là au final. Hein, on se plaint de Resident Evil 0, mais. Moi, je fais pas que du caviar. Hein. Enfin, je crois que c'était après le fou là. Wesh. Trop creepy. Et tu la docteur? Non, t'es pas la docteur, il y a autre chose à prendre. Ah, il y a une petite picouse. C'est trop pit pouf. On critique pas RE. Pas moi qui critique un petit Ramnatsu. Une certaine Nao qui dit oui c'est de la merde. Allez c'est de la merde. Non tu veux le zéro. C'est les mécaniques de jeu archaïques, mais t'as jamais vu ça avec la pire idée du monde des inventaires où tu poses des objets par terre. Putain, j'ai jamais vu un truc aussi con. Et le scénario est con, et les personnages sont nuls. Enfin, c'est. Avec Bailey, là. Et Rebecca. Bon, je sais plus, il est où le docteur? Ah, mais il est là, c'est vrai. Check out the plat, the floor. On est un jeu russe. Et comment j'y vais, là, du coup? Ah! Ah! Ah, mais il y avait une clé quelque part aussi, je sais plus où, là. Où est-ce que j'ai trouvé la clé? Non? C'était après? Les livres sont mieux, ah bah ça je sais pas. Je sais pas lire. Lol. MDR. C'est Simon. Bah oui. Ah oui. Simon Warchit qui était dans Dragon's Dogma hier. Hein, qu'on avait trouvé en tant que pion. Bon, bah, que j'ai pas gardé très longtemps parce que j'en ai trouvé un mieux, mais. Eh oui. Putain, faut que je refouille alors. Non, mais c'est pas là, y a rien. Là. Pam 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 pam. Bah ouais, mais comment j'avais fait pour y aller? Non mais là il y avait rien. Hein. Là non plus. Attends, laissez peut-être après. Ta ta ti ta ti ta ti la li la la. Là, la pièce morosette, on est bloqué au bout de 5 minutes. N'y allez pas. C'est très dangereux. C'est très mauvais. Oh, n'y allez pas. J'ai bien. Là, j'avais fait ça, je m'en souviens. Là, il y avait. Non, il n'y avait rien du tout. Bon, j'arrive à être paumé dans un jeu aussi, quoi. Enfin. Là, il y a l'autre qui nous fait voir, c'est. Voilà, qui a envie de sexe. Et moi, je n'ai pas envie de sexe. Sexe n'est pas pour cette personne. Là-bas, il n'y a rien. S'il y avait la seringue. Ti, 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 li, 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 ti. Mais comment j'ai fait pour rentrer voir le docteur tout à l'heure? J'ai activé un truc? Par mégarde sans faire attention, de par exprès? Mais comment j'ai fait ça? Oui, bah là il faut la clé, soit d'accord. Mais merde! Pas crotte. Crotte de bikes. Ah, il fallait de l'énergie, peut-être. Voilà. Je cherche à voir ce que j'avais. Mais non, la pile, je l'ai ramassée. Cette orange, écoute, c'est une tenue de soldat russe martien. Respecte un peu le soldat russe martien. C'est tout ce que j'aurais envie de te dire. Tu respectes pas, c'est le soldat russe de Mars. Là, il n'y a rien. On a déjà fouillé. Ici, comme je disais, c'est une petite tenue, tu sais, aux couleurs des grenouilles. Vénéneuse du Brésil là. Un petit peu. Non, attends, je peux pas y aller. Mais où es-tu, mon petit docteur? Va attendre donc. Que je te scanne la tête. La maudite caboche. Il faut respect. Ah, voilà. Ça, les jeunes, le respect. On sait ce que ça donne.
Je peux y aller maintenant du coup? Mais non, c'est toujours rouge. Et puis je dois faire quoi? Mais surtout, c'est que je l'ai fait tout à l'heure et je sais pas ce que j'ai fait. Comment je peux pas? Je sais pas là. Oui, mais. Je ne sais pas. Je... Ok, je me recharge, j'aurais pas dû. J'ai gaspillé mon truc. Mais comme quoi, ça servait à rien, mais quoi. Je vais quand même pas aller regarder mon replay, quoi. Ah, surtout que je peux pas parce que ça enregistre en temps réel. Il faudrait que je coupe le stream. Je regarde le replay. Mais non, mais non. Mais j'ai appuyé sur rien de spécial. Ah merde. C'est balèze ça quand même. T'es sûr que tu veux pas essayer de passer un petit peu? Genre en quinconce. C'est bizarre. Ah ça met les objectifs mais c'est tout. Ah putain. Ouvre-moi la porte, Jésus revient. Ah bah tiens, ça ne l'avait pas fait. Get out. Put. On la sort de son support vivant. On la tue là. Ça y est, c'est bon, elle est morte. Waouh. J'aime bien ce rendu à l'écran de ce que tu fais dans le jeu. C'est impressionnant parce qu'on sent vraiment que tu as un impact sur les choses. Bah, je vais arrêter son système de survie. Ça, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, donc ça ne peut pas être ça. Hein, c'est toujours rouge. Bon, écoutez, je débranche les gens, on s'amuse. Ah, attendez, c'est ça peut-être. Non, je pense rien, ça c'est du stuff, mais c'est. Ça sert à rien du tout, ça. Non, ça sert à rien. Ah non, 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 putain, non, non. Snifou, snifou, je suis bloqué. Putain, le beat. Ah, je vais glitcher le jeu. Mais non, je suis bloqué parce qu'à cause des portes qui s'ouvrent plus. Putain, j'en ai marre. J'ai même pas vérifié. Mais non, mais j'ai pas fait gaffe, je rentre dans les pièces, tu vois, je cherche et tout. Ah là là, c'est pas vrai. Lol, ah bah oui, lol. Rigole. On est reparti pour une quatrième. Pour une quatrième fois de l'intro en russe. Ah, j'ai progressé en russe, mais je saurais dire que ça. Ils vont te demander quel est votre nom. Oui, l'humanité a conquéré Mars en 2039. Il y avait John et Magnus. Oh là là, que se passe-t-il? C'est un roguelike. T'arrêtes pas de mourir et de tomber dans les pièges. Et tu recommences. Moi, maintenant, je joue tout comme les roguelikes. Je recommence toujours le même tableau. Alors Isaac. En plus Isaac, hein, prénom un peu, sonorité russe. Oh, je ne m'endors pas du tout. Je suis en pleine forme. Encore marre taper les deux mous du genou là. Non mais ça, pour un jeu gratuit, admettons, tu peux pas demander d'argent pour ce truc-là. J'aurais honte, moi. J'aurais vraiment honte. Jonathan, je l'ai fait 4 fois, il y a 4 fois l'intro, je fais 4 fois la blague de Jonathan. Ты сам согласился на работу техником. Доктор, работай. Ça, ça m'emmerde trop, ce jeu. T'as joué à pire? Ah oui, oui, complètement. Complètement. Enfin, à pire. Ça dépend. C'est d'autres trucs plus obvious, pire, mais celui-là, en fait, quand tu regardes bien, il est quand même crado, quoi. Enfin, il est crado parce qu'il est lambda. C'est vraiment le moteur Unreal de base. Alors oui, ça va un peu mieux faire que celui du labyrinthe de l'autre jour là. Putain, le truc là de merde absolue là. Tu cherches des objets avec le monstre là, qui fait quick, 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 quick. Ou quand t'appuies sur G, ça fait épilepsie. Alors, nous avons quelque chose. On va faire toutes les pièces. On va se soigner. Mm-hmm.
à fait soigné, c'est la coquetterie. On fait toutes les pièces sauf celle où on est bloqué, bien sûr. Hein, on n'oublie pas de marquer le petit temps d'arrêt. Mais là, j'ai l'impression que. Non, j'ai eu peur. Il est ouvert ce con. Bon, alors, on va doucement, on ne se précipite pas. Est-ce que celle-ci, je peux y pénétrer? Je le puis. Vous voyez? Mais j'essaie de dormir, mais c'est. Je dors en plus, je fais 9h30 ce matin, ça va pas. Mini qui dort, il me réveille plus, donc bah moi, je pense. Eh, mais je me couche tard, hein. Mauvaises habitudes du week-end de geekerie. Alors lui, je vais aller le tuer, on est d'accord, hein. Off. Ah oui, non, off. Moi, get out, je croyais que c'était mon aller. Off. Non, mais off, j'ai éteint ou off, je sais pas. Attention, y a-t-il une table? Non, on peut y pénétrer. On peut faire la pénétration. Ah oui. Que vous aimez ces bonnes blagues. Ah, l'humour. Oh, le 2017, c'est chouette. Le son, ça va? Vous sentez bien l'ambiance russe martienne? Are you Dubichu Sikablayat? Non! Vous avez vu? Réflesque. Attention. Oui! J'ai dû faire un truc tout à l'heure, mais là, je sais pas. Ok. Parce que la clé, je la trouve après avoir parlé au docteur maintenant. C'est juste le prologue. Oui, ça s'appelle prologue en plus. Effectivement, bah après ça s'appelle prologue. Voilà, les mecs ont prévu d'en faire plusieurs, mais en vrai, c'est peut-être une durée raisonnable, j'en sais rien. Enfin, raisonnable pour 4 euros. Les mecs, ça y est, ils sont prêts pour George R.R. Martin, quoi. Martinovski. Faire une saga, tu vois. Mais pas Africa. Eh non. Ça c'est Yannick Noah. Eh oui. Et toi tu sers à rien. Bah non, tu sers à rien. Toi tu peux. Impossible. Ok, bah ça on le savait. Là je sais que je peux y aller. Je ramasse du scrap. Voilà, de la santé. Bon, on s'en fout. Ah, c'est ça que j'avais pas fait. Bah oui, mais. Pas facile de s'en souvenir quand c'est pas écrit dans une langue lisible. Par moi-même. On retourne voir le docteur, c'est bon. Toujours, ça va bien, Robert? Ça va. C'est la passion, c'est la rigoulade. Les jolis effets de brillance de l'Adriel Engine, ma foi, qui sont chatoyants, ça chatoye. C'est lire ça, ça doit être important. C'est bon, je t'ai bien sucé le cerveau. Parce que moi je fais ça. Certains sucent, hein. Moi c'est le cerveau. L'objectif est rempli, je vais aller à Webd. Uambe. Uambe, moi je lis Uambe là, ou Uherbe. On va lire à Berbe ou à Verbe. Hein. Moi je. J'adapte. Si t'as payé pour ça, c'est pas un prologue, c'est un proctologue qu'il te faut. Eh oui, parce que. Ah, t'as payé pour ça, t'as mal au cul. Ah oui, ah bah oui. Rigoulade. Bien. Rigoulade. Tout le monde rigole, je sais. Karamnatsu rigole, Simon rigole. Il a note sur son petit cahier parce qu'il fait un cahier aussi. Il apprend, c'est bien. Avec ses senpai. Même si senpai corse, il est en vacances. Putain, mais. Bon, il dit, faut que je trouve une arme. Bien avoir tout fouillé. Workbench. Bonjour, ici Monolith Software. Non, qui c'est qui a fait. Enfin, c'est Electronic Arts. Vous auriez pas copié notre truc de Dead Space pour fabriquer des armes? Create. Scrap Meta 1600. Ouais. Blood, ce clot plasma. Avec plus compact, avec plus d'assaut. Приведи свои знания, найди что-нибудь и создай себе оружие, иначе ты труп. Помни это и никому не доверяй.
Attends, je vois pas ce qu'il y a écrit. Magnus, до связи. On va attendre qu'il ait fini de parler là parce que. C'est bon? Так, значит, мне нужно оружие. Ah, c'est lui, il parle bien. Alors, scrap metal, your prototype. Oui, bah allez. Voilà. Et donc là, j'ai plus que 115. Ok, c'est pas bête. Tu rajoutes des petits bouts. Bon, ça a déjà été fait mille fois, mais. Après, des scrap metal. Ok, et donc. Voilà, c'est, j'ai mon arme normalement. Yes! Ok. Non, non, mais bon, bah, c'est encore une fois, ça, c'est les trucs de base de l'Unreal. Hein. Espèce de vue qui sert à rien, on va les niquer du champ. Mais est-ce que je peux sauvegarder? Non, c'est ça qui m'embête. Putain, je peux pas save, quoi. On va essayer de les ken, allez. Eh, hey, mon truc, il fait la plus de gueule, quand même. Bon, c'est de la merde, par contre. J'ai plus de balles. Fuck. Pourquoi je peux tirer des fois? Oui. Pourquoi ça fait rien? Pourquoi j'ai créé une arme la plus... Et je meurs comme une merde. Oh là là là. Et de 5. Ça change toujours pas l'aud. Voilà, très bien. Eh ben écoutez, on va se faire plaisir. On réussit son russe avec l'ambataire. Eh oui. Mon dieu, mais quel branlotin. Même pas un impact quand je me prends un coup, c'est que ça fait un bruit de prout-prout, mais. Et puis je peux mettre New Game avant que l'écran apparaisse en fait, quoi. Ça aussi c'est marrant. Allez, et on est reparti le jour de la... C'est exactement ça. Babe, I got you, babe. Titi, titi. I got you, babe. Mon dieu, ce film. Et allez, on repart pour notre leçon de russe du jour. Aujourd'hui, John et Magnus sont encore bloqués sur Mars. Pim pam poum. Un peu plus de la Russie, quoi. Джон, не спеши. Там всего пару минут поработать. И все. Я понимаю, но хотелось бы как можно быстрее быть дома. Я работал 4 смены подряд. Нас должны были сменить еще 2 дня назад. Джон, ты на Марсе. Ты ведь не зря отправился сюда. Сразу как только окончил военную академию. Je viens de voir un truc sur Twitter, Discord a fermé les serveurs des droites alternatives enfin des nazis des États-Unis, ceux qui ont été impliqués dans Charlottesville, quoi. Ça, c'est bien. C'est bon. Allez, je vais te le... C'est parti pour le speedrun du jeu. Donc on ramasse évidemment le matériel parce qu'on a besoin de ça. On se soigne parce qu'on sait les dégâts, hein, ça va assez vite. Il vaut mieux prendre le temps maintenant que de relancer une sixième fois ce putain de jeu. Je vais essayer de mieux lire ce qui a marqué. Je sais plus où il y a les scrap metal en plus, je vais pas tout refaire, quoi. Faut aller dans la salle étagère. Je fais vite faire un petit tour. On va la laisser tranquille du coup. Ah, attendez, Yana. C'est peut-être pas du scrap, mais je veux pas. Si, scrap metal, bah, il m'en faut parce que si j'ai pas de quoi créer mon flingue, je dois en avoir de base. Hein. On a eu chaud là. J'étais parti. Hein. J'étais chaud du réchaud, je le gâche pas.
Bon, ça vous plaît, sinon, ce jeu, ce début de jeu, ça vous emplit de joie. Ça vous donne envie d'aller taquiner les chapelles, hein? Ah ben oui, je comprends. Attends, c'est pas la salle au fond, si c'était la salle au fond. À côté de notre ami, eh oui, il travaille son petit Dragon Punch là. Ça, oh, c'était de la BR. Bof perso, non mais évidemment, hein, bof, non, c'était pourri, vous savez. On sait que c'est nul, mais ça va devenir bien, vous allez voir. On va kiffer. Et tu vas kiffer. Surfer les histoires du futur, la saison 1, c'est trop bien. Trop bien la saison, de ouf. Saison 2, j'ai même pas envie de la regarder, j'ai commencé deux épisodes, j'ai ça se prend trop au sérieux. On y va, on est parti. Voilà, je vous le promets. Solennelle promesse, je vais tuer les méchants. Les méchants vont perdre la vie. Je vais me crafter mon arme. Waouh, petit oignon. Like the little échalote, comme on dit, bien sûr. Dans le bandolou. Dans la région de bandolou. Ah, tiens. Et oui, monsieur Bamama, il stream pas ce soir. Oh, monsieur Bamama, qu'est-ce qui vous arrive? Où êtes-vous parti? Faire la fête, hein? Quelques discothèques, c'est possible. Pas que j'oublie, j'ai des soins, mais le menu sur la touche, sur les touches directionnelles, peut-être qu'elle est assez prévue pour la manette, j'en sais rien. Alors on va attendre qu'ils finissent de parler, sinon on va rien piger. Je crois que ça bug. Il s'est endormi. Peut-être fatigué, notre ami Manu Bamama. Ah non, il s'est endormi pour de vrai? Oui, j'en avais voir, ok. Tu peux perdre. Ah oui, c'est ton tweet, si bon, j'avais cru que c'était. J'avais pas reconnu ton hasard. Fouf, tu peux perdre. Il est fatigué. Eh, Manu, il faut en prendre soin. Il travaille maintenant et il peut pas. Voilà. Il faut qu'on partage notre Manu avec la vie réelle. Voilà. Laisse-moi créer mon arme à feu! Bon, alors, pas l'espèce de fusil à pompe merdique là. Ah, même les taches de sang sont crades, oh là. Du coup, j'ai peur de mettre une mauvaise critique sur ce jeu là. Je vais me faire attaquer par les rouges, je vais me faire hacker. Alors. Là, j'ai la base en fait, ouais, mais j'ai pas de canon. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Lance-grenade, damage 100, damage 40, énergie moins 15. Ça envoie des trucs de plasma. Shoot un laser, damage 20, mais je peux pas le payer de toute façon. Shoot powerful patron. Ça envoie des petits Macron, des petits chefs. Ah, c'est que ça coûte de l'énergie. Et lance-roquette ou bien? Ah, je peux pas non plus, merde. 700. Ça, ouais, j'ai que 1600, on peut pas avoir plus. Automate, weapons acquire, auto-fire, mais ça on s'en fout. Et avant d'acheter ça, faut peut-être que. 500, ouais, bon. Bah, évasion, j'ai pas trop le choix. C'est où ça? Ça fait 15 de dommages. Ou ça fait 40. Bah oui, mais ça fait plus de dommages. Ça a l'air mieux, non? Ça me fait chier, ça a l'air mieux, quoi. Bon, bah, on va acheter ça. Écoutez, on va essayer. Reste 900. Qu'est-ce que je peux mettre? Reduce le coût en énergie. Stronger, reduce de cost. Stronger, reduce. Oh, bien, j'ai que 900. Je peux rajouter ça. Je peux rajouter. Punchy. Shoot powerful. Mais je l'ai déjà mis. Ouais, je peux pas le remettre. Bah non, c'est con. 1500 de mail. 1500. J'ai l'autofire. C'est trop cher. Bon, bah, je peux rajouter ça. Ça réduit le coût en énergie. Voilà. Ah, mais je peux me créer une armure. Ah oui! Workbench. Ah merde. Shoulder plate. Ah, je peux me stuffer en tout coup de 500. Ah merde, si j'avais su. D'accord. Bench. Shop. Ok. Bon. Et l'énergie, c'est la barre bleue du coup. On va
essayer. Voilà. Alors, pourquoi les miens font boum et eux font... Je ne comprends pas, mais écoutez, on va y aller. Alors, pour recharger, c'est la flèche à droite. Ça mitraille. Ah. Alors, l'énergie remonte petit à petit, donc je suis pas obligé de la recharger. On va essayer de cheater. Je sais pas s'il y a des touches là. Ouais, j'en ai eu un. Attention les soins, attention. On se soigne. Et ça ne marche pas, bien sûr. Il a plus de munitions, le Nick. Si. Voilà, on dit, mais regarde, je fais disloquer les ennemis. Mais je me suis soigné, ça a rien donné. Moi, j'ai gaspillé. Mais putain. Et en plus, les touches, là, pour le menu, ça me fait tourner aussi. Ce ragdoll qui fusionne dans le décor, et ouais. Ah, ça vous a calmé, vous avez jamais vu ça, hein. Bim-bam-boum. Ouais, je suis le meilleur, je suis le best. Ah. Du progrès dans ce jeu, écoutez, ça vaut tout l'or du monde. Ou presque. Ah, je suis content. Bon, alors, il faut mieux créer le flingue le plus merdique, hein, c'est ce qui marche le mieux. Eh ouais, Anzimion. Là, tu vois, tu devrais me faire un don pour te faire parler. Possible. Bon, c'était les seules menaces, mais putain, ouais, les soins, c'est trop con. Je me soigne, ça me remet pas d'énergie. Ah, mais oui, j'ai des... Mais du coup, ça sert à quoi les... Ah, mais les seringues, c'est peut-être pas de l'énergie, en fait. Require Director Mall. Ok, donc faut que je trouve... Où est-ce que le mec, il est, quoi. Ah, mais comment je le trouve. Putain, faut que je fouille tous les mecs un par un pour trouver le bon truc à scanner, quoi. Attendez, je voulais me soigner. Y a pas un truc de soin, là-bas. C'est quoi, ça. Non, ça, rien. Ah oui, d'accord, ouais, ça je veux bien. Attends, je vais trouver un truc de soin. Je sens qu'il y en avait un ici. J'étais persuadé, mais non. Sexy. Mila Jovovich. Lol, easter egg. Bonjour les amis, c'est VDPsys. On se retrouve pour une vidéo sur easter egg, une fois. Alors c'est dans le jeu Red Number. On trouve une personne à scanner qui s'appelle Mila Jovovich, qui veut être actrice. Ça fait référence à l'actrice Mila Jovovich, une fois. La Belgique, Bruxelles. Désolé. Mon petit méné, mais c'était trop tentant. Mais il serait content, ça le ferait rire. D'ailleurs, il faut pas hésiter, je vais lui faire écouter. Ah, c'est là, les soins. Lui faire écouter, ça le fait rigoler. Faut clipper le truc, puis faites-lui voir. Ça doit encore être bon pour clipper. Là. Donc, ouais, non, les seringues, j'ai pas encore trouvé l'item de soin en combat. Ou alors, tu peux te soigner que dans ces trucs-là, quoi. Attends, on va bien se soigner. Bien à fond, là. Donc, alors, attends, il y a un truc là-bas. Je sais pas, il a l'air de me dire, mais. Après, c'est de l'imitation, voilà, un petit peu à l'ancienne, quoi, tu vois. C'est... Alors, apparemment, c'est la fois, elle est là, il y a un truc qui est là, fois, elle est là. C'est que top, non, encore, on y va. Sinon, ça va devenir le gag, hein, dès qu'il y aura... Ouais, d'accord. Et il y a quoi, là? Pourquoi tu me fais fouiller ce tas d'ordures, il n'y a rien? Mais si. Et oui, il dit, normalement, quand il dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. C'est le Saint Distributeur. Je ne sais pas. Alors, j'ai mis la Jovovich, mais je sais pas trop à quoi ça va me servir, du coup. Get to the raid, hein, c'est d'accord. Bon, bah, je sais pas à quoi sert ce truc-là. Est-ce que je peux tirer dessus? Ça ne fait manifestement rien. Et l'autre est où? Et l'autre est là. Ouais.
Et là, il faut recueillir Joy Cory. Un autre mec, Joy, Jason. Jason? Bon, ce système de trouver les mecs à scanner, ouais, enfin, c'est comme trouver des clés au final, hein. C'est pas bien fou. Ça me fait chier d'aller tout voir tout le monde. Là. Puis je comprends pas pourquoi ils me montrent ça, ça a aucun sens. On va aller voir de là où ils sont. Ah, on peut pas en plus y aller, oui, non, on peut pas. Je voulais aller là où ils venaient, mais. Mais on peut pas. Voilà, ça, Mila Jovovich, je l'ai, ok. Secrétaire, il y avait une autre porte fermée. Mais je sais pas ce qui était fermé comme porte en bas là. J'hésite à retourner voir la porte rouge qu'il y avait au tout début là. La première, mais. Ah, use imprint, technicien. Ah non, ça marche pas. Tim Burton, d'accord, c'est son directeur, réalisateur favori, très bien. Et là, je peux pas. Possible. Non. Putain, que c'est chiant. Que c'est nul, y'a même pas. Y'a trop de mecs, quoi. Ah, Groot. Groot, il s'appelle. Il s'appelle vraiment Groot. Jardinier, il aime les arbres. Ah, parce que. Salut à tous, c'est Medepsis. Encore une nouvelle vidéo, une fois. Un easter egg toujours dans Red Number. À un moment, bon, vous scannez une personne une fois, il s'appelle Groot, il est jardinier, il aime les arbres. C'est une référence au personnage de Gardien de la Galaxie, de Groot, mais il le dit qu'une fois. Bien sûr, il est jardinier. Eh mais, c'est un nouveau truc, là. Ah oui, il y a un stand de tir, ok, d'accord. Ça sert à... que dalle. C'est un easter egg. Je sens que je vais en faire plein des Menepsis. Oh, je tiens une nouvelle voix, je vais faire comme Super Flamme. Je vais faire des Vox Populi pour expliquer comment imiter. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Vox Populi sur comment imiter Menepsis. Alors, le Menepsis, il a une voix salée comme les frites. Hein, donc, il faut prendre une voix comme ça une fois. Il faut dire à la fin, ça vous permet de l'imiter à la perfection. Il m'a fallu pas mal de temps hein, pour imiter cette voix. Chris Doug, un cuisinier. Il aime les comédies françaises. Oh putain, je crois que Chris Doug, c'est un gros connard en fait. Il aime Bad Buzz, toutes les merdes là, Christian Clavier qui sortent et tout le truc sur les Roumains là. D'accord. Salut Laser, oh, tu viens de manquer mon imitation de Menepsis au poil. Mais heureusement, l'ami Simon, on a fait un clip. Artem Borov, propriétaire du café. Et les insectes, particulièrement les araignées, d'accord. Pff, à quoi ça me sert tout ça? C'est, en vrai, là je peux peut-être rentrer dans le café du coup. Non, directeur Maul. Directeur du centre commercial, moi je veux bien, mais là je commence à avoir scanné tout le monde. Hein. Faut vraiment que je scanne tout le monde, putain. Puis il est tombé comme as. Non. Ah putain, ça peut pas aller plus vite et je peux pas le faire à distance, donc je me colle au mec, quoi. Cette petite pause, ils étaient tous chauves par contre, ça c'est assez embêtant. Ah, il y avait une petite touffe. Il y avait une petite touillouffe. J'essaye de voir si ça change un moment, mais... Chuck Rimbaud, le garde, il aime les films d'action. Chuck Rimbaud, Chuck Norris, bonjour à tous, c'est Menepsis une fois. Nouvelle easter egg, oh là là, je n'arrête pas de faire des vidéos cette semaine dans la même soirée. Avec toujours dans le jeu Red Number, décidément, c'est très un jeu à easter egg. Chuck Rimbaud, le garde qui aime les films d'action. Un mélange de Chuck comme Chuck Norris et Rimbaud comme le poète John Rimbaud. Il fait la bagarre dans les gardes du golf. A bientôt pour de nouveaux easter eggs une fois frites moule. Moule frites. Putain, Menepsis. Putain, il est pas là, c'est dommage. Il serait très content. Mais bien sûr, il serait très content. Il dirait, waouh, je suis trop content. Ah, il faut vraiment le truc du directeur. Mais je crois qu'on l'aura pas tout de suite. Ça va être alambiqué, mais je sais pas. Ah. Alors, Geralt. Geralt of Thebes. Eh oui! Attention, salut, c'est Menepsis. On se retrouve pour une sixième vidéo easter egg avec Red Number. On trouve un personnage qui s'appelle Geralt de Thèbes
qui est garde, et il adore sa fille, qui s'appelle Cyril. Attention, on est là dans une référence à Witcher 3 avec Geralt de Rive, qui aime sa fille qui s'appelle Ciri. Hein, on les modifie légèrement. Peut-être que dans la version en plus anglaise, c'est Teb et Cyril. Non, je pense pas, c'est légèrement modifié. À bientôt pour de nouveaux easter eggs, peut-être dans 5 minutes, on sait pas. C'est un stream easter egg. Merci Simon. Bah là, je peux pas trop le regarder, toi. Je regarderai ça après parce que du coup. Attends, mais c'est juste, je peux pas le scanner lui du coup. Ça se trouve, c'est lui l'autre con là. Putain, mais c'est pas possible que ce soit ça le gameplay quoi. Parce que si c'est ça, putain, c'est abusé de le faire aussi long quoi. Putain, puis des fois ça marche pas quoi. Toute la vidéo de l'easter egg des easter eggs. Eh oui! Bien sûr. C'est quoi ça? Ah non, c'est en dessous, ok alors. Pourquoi ils ont appelé ça caméra? J'ai toujours pas compris. Là, je vais avoir fait le tour de toute façon. Hein. Là, il faut qui là? Cyril, Karl? Attends. Qu'est-ce qu'il faut? Karl? Karl, bah. Je crois pas que j'ai eu ça. Hein. Un Karl, je pense que ce sera un Karl qu'il faudrait. Là, j'avais scanné tout le monde à cet âge-là ou j'avais pas fait vraiment méthodiquement, je sais plus. On va quand même refaire juste un petit doubichou. Là, c'est Mila Jovovich, je la reconnais à sa pose. Voilà, je crois qu'après, j'ai étouffé. Bon, on va descendre. Allez, scanne-moi ça. Bon, on va descendre. C'est la passion, mais heureusement qu'il y a des petits easter eggs pour la rigolade. Parce que sinon, on s'emmerderait quand même. Bon, alors, je commence à partir d'après l'escalier. Alors, on va faire la cour extérieure, hein, du genre... Ah bah, c'est chiant. Ah bah oui. Finn Nasher, un architecte alcoolique, il aime beaucoup l'alcool. Bon, là, j'ai pas la ref. Je sais pas s'il y a une... Roman Snoopy. Eh oui, parce qu'il est Snoopy. Non, Snoopy, non, je sais pas. Sinon, je cherchais un Karl ou un Joy, je sais pas quoi là. Scanning Simulator, exactement. Et russe. Qu'est-ce qu'il. Ah oui, d'accord. Pas content. En vrai, ça serait pas bête, mais juste que plutôt que bêtement mettre 40 000 mecs à scanner. T'en mets moins, tu mets... Ah, Director of the Mall. Ah, oui. Les vrais barbecues dans la nature. Merci. Allez, c'est parti. Bon, vous savez quoi, on arrête. On recherche plus les historiques, parce que j'en ai trouvé un, il va falloir que je retourne scanner le directeur. Allez, c'est parti. Donc, c'était vraiment ça. C'est juste le truc le plus idiot. Quand on met une grande map, ça fait du temps de jeu. Et oui, tu vois, tu mets une succession de mecs avec des indices, et puis voilà. Combien ces hommes... Je pense pas, les heures. Honnêtement, au début, je croyais... Et puis, comme maintenant que je suis en train de voir comment les mecs sont en galère pour animer des trucs, je pense qu'ils vont pas bouger beaucoup, en fait. Ah, oui, alors, c'est... Mais les 6, pour un easter egg, regardez, spécial de YouTuber, une fois, ce personnage, qui s'appelle Dread PewDiePie, Dread, c'est son prénom, administrateur, il fait une vidéo, et oui, c'est référence à Markiplier, et non, bien sûr, je rigole, à PewDiePie parce que j'ai de l'humour une fois. C'est de honte. Imagine les mecs, ils auraient fait un Kickstarter, ils auraient mis tous les baggers là. Ah, ils en seraient capables, et bon. Bon, je pense pas qu'il va me servir à quelque chose, mais bon. Imagine, faut que je retourne chercher le directeur parce que j'ai perdu mon temps à scanner. Non, mais je vais pas tous vous scanner, allez vous faire enculer quoi. Arthur Black. Alors, ça doit être un pote youtubeur, mais je connais pas. Ou un pote, enfin, moi, mec, qui connaissent quoi. Ray Dumbo, un écrivain. Ken Funkstar, je ne connais pas non plus. Oula. Ah, c'est nul, putain, y a ni cover ni rien. C'est. Mais ils sont 5, je vais jamais y arriver là. Putain, puis ils visent trop bien en plus quoi. Ah putain, puis la caméra de merde. Ah, ils essayent de venir me chercher quand même. Ah, c'est dur. Hein. Ah, puis je peux pas changer de fusil d'épaule. C'est Arthur de la télé. Hey, salut, c'est Arthur. On se retrouve pour les enfants de la télé. Ah, si c'est bien, c'est génial. Ah ouais. Hein? Ça plairait à mon petit Plex, ça. Faudrait que je lui fasse Arthur. Nia intelligente, ouais, enfin, non, quoi. C'est juste qu'il cheat, quoi. Il vise mieux que moi, mais il triche, parce que...
Il s'approche de moi petit à petit, mais ouais, de la dire intelligente. Hein. Mais je peux pas gagner, putain. Je vais aller dans la chambre de soins et je vais les tuer dans la chambre de soins. Eh ben oui, et en plus je suis bloqué parce que comme j'ai scanné un autre mec, je peux plus revenir en arrière. Putain, trop bien. Ah. Voilà. Bon. Est-ce que ça a fait une scène? Je crois pas. C'est des robots en plus, j'avais pas vu. Je crois que c'est le truc de base, c'est un des assets de base. Ou... Ah bah c'est tout bloqué là, ça bouge plus. Ok. Et ça a planté. Bon. Ah bah c'est même pas game over là, c'est que ça a planté. C'est parqué là, comme des viandes entre je m'en vais. Ah, c'est marqué, là, comme des viandes, j'avais pas fait gaffe. Bon. Bah, c'est bien ce jeu. Là, j'ai pas la foi. Ah, putain, pis. Ah, je suis obligé de faire un contrôle là-dessus, pourquoi, nom de Dieu. Ah, ça y est. Ah, il y avait vraiment le vieux logo du site. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Je relance une fois, des fois que ça fait une save. L'espoir fait vivre. Ça va être un petit stream, sinon, une petite heure, écoutez. Ah, bah, bien sûr, le jeu. Gatio, babe. Ah putain, mais faut que j'arrête ces jeux-là. Faut que j'arrête de streamer quand j'en ai qu'un de seul, en fait. Pourquoi tu mets un truc save? Bon, bah non, j'arrête, les enfants, là, je peux pas. I don't have the foie. I don't have the liver. Hein, parce que c'est le foie, bien sûr. Ça, vous le saviez, vous êtes doué en anglais. Hein. Bon, bah, on va désinstaller cette grosse bouse. Uninstall, voilà. Oui, je veux l'enlever. Vite, vite. Bon, bah, ça va rejoindre ma liste de jeux sur Steam, hein, de ne pas acheter. Oh non, les Urnan Dragon's Dogma, je le ferai quand j'ai un peu de temps devant moi, ou au minimum, je vais faire des gros streams dessus, qu'on fasse des trucs devant. Là, j'ai pas envie. On peut faire du Undertale. Ah non, il n'y a pas Thomas. Non, mais j'ai pas envie, je rigole. Plus jamais. Plus jamais que Nenni, que jamais. Bon, bah non, bah écoutez, voilà. Je regarde quand même s'il me reste pas un petit truc, mais non, mais c'est bien. Un petit jeu caca. La prochaine fois, j'attendrai d'en avoir plusieurs. J'avais envie de streamer tonight, mais voilà, ça fera un petit stream. Écoute, c'est pas plus mal. Bon, bah merci d'être venu. Hein, ça a été, c'était marrant. Heureusement qu'il y avait les petits trucs avec Méné, parce que sinon, on se serait un petit peu emmerdé. Et je vais essayer de rassembler. J'ai été obligé de faire comme les live caca d'avant, sauf que là, ce sera pour les jeux payants, mais d'en avoir plusieurs. Hein, parce que, j'avais cru que des jeux payants, ça allait me faire quand même suffisamment pour arriver. Ben non, un seul, ça suffit pas. Voilà, bonne soirée, bye bye. Flippity flop, je m'en bois le tel à mon oiseau gracieux.